travers les jeunes qui sont en train de faire. Motivation, c'est que le sport en général, c'est comme si on fait sport pour une vie jeune, pour une âge jeune. Mais le plus souvent, depuis que je me l'ai dit, je voulais volleyball. Et même, moi, par contre, depuis que je suis un petit monde, je voulais volleyball, de football, de basket. Mais ce qu'on veut, c'est volleyball. Maintenant, en génération, c'est moi seul qui ai toujours été joué. Constamment, mais nous n'avons pas vraiment pour nous jouer tout le temps, mais les frères à côté de volleyball, nous venons, nous sommes anciens, nous sommes au ministère de jeu, les écoutes de football, c'est nous, ça gagne plus nous avons 20 ans de cela, mais ça a toujours à jouer, mais l'essentiel est à motiver, toujours été à jouer. Jérémon, pile la jeune génération, ça n'a pas connu le travail qu'on fait dans le volleyball. Est-ce que vous êtes capable de faire un bref râle parcours dans jouer de ça? Bon, après ça, moi, pour un petit goave, je représente un peu le bagaille. Parce que l'essentiel, mes volleyball petit goave, un peu de travail comme entraîneur. Mais l'essentiel, je suis entraîneur, je suis un travail en peu dans l'équipe là. Je suis monsieur, je travaille tout, mais pas gâté, mais je n'ai pas de travail. Moi, je suis un petit peu plus de technique en équipe. Mon cher niveau volleyball, je suis gâté maintenant. En plus, le monde a critiqué le niveau volleyball là actuellement en Haïti. Est-ce que, ou même tout, quelle lecture qu'on fait par rapport avec le niveau volleyball côté qu'on a joué et le niveau volleyball qu'on a joué qu'on a? Bon, l'essentiel, il y a deux systèmes qui nous ont dit qu'on a volleyball. Le système, l'autant, les montées qu'on a joué volleyball, mais tu dois pas être côté. Tu dois faire à zone qu'on a joué. Tu dois toujours jouer au père, tu dois toujours les tigres. Mais à l'heure actuelle, comme si il y a plus de terrain dans ce jeu-là. Par exemple, vous partez, il n'y a pas de jeu. Pas tout le ça dans l'équipe, mais il y a un volleyball. Je viens de volleyball, c'est ce petit bras. Si j'ai une garçon, petit bras, je me présente petit bras, je vais mettre un mal. L'équipe volleyball, petit bras, ça veut dire petit bras, je me présente dans le jeu. Nous connaissons depuis l'époque que l'on n'a joué au volleyball malgré motivation en pile jeune dans la ville de Tigouave pour jouer de ça, pour ne pas dire dans le pays d'Haïti en général. La ville de Tigouave a toujours souffert. Nous toujours demandé une place pour nous jouer côté volleyball capable de jouer. Vraiment, pour ce pas dans la coulisse, c'est faux, c'est seulement. Dis-nous, quelle lecture qu'on fait parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas de gymnasium dans la ville de Tigouave malgré nous sommes censés mettre jouer de ça. Bon, là, Gadjou, je ne vais pas répondre, je vais mettre un groupe militaire Gadjou devant nous. Parce que, vous savez, moi, si je dis, ma pression, c'est le monde. Et si je dis, je dis, je ne vais pas répondre, pas pour faire vagabond, mais l'essentiel, je ne vais pas vraiment répondre sur ça. Je vais me plus en mesure de répondre sur ça. Ok, un conseil pour un plus jeune qui fait commencer à jouer au volleyball et qui t'a même venu jouer au volleyball. Bon, l'essentiel, ça, c'est mon premier sport, c'est la santé. Vous devez faire sport tout le jour, tout le il faut qu'on sur deux pieds, même là on va rattraper sur deux pieds. Même aux États-Unis, les gens n'ont pas gagné deux pieds. Mais ouais, là, dans le gym, ils font des choses, ils font des choses. Quand même, le sport, c'est la santé. Si je ne fais pas de sport, à 47 ans, je voulais pas jouer au chef, je ne vais pas jouer au volleyball, je ne vais pas toujours gagner du sport. Nous connaissons où marquer la vie en pile jeune dans les affaires volleyball. Est-ce qu'on peut dire nous tout? Ou même qu'est-ce qui marque dans l'histoire volleyball dans la ville de Tigouave, en Haïti, ou du moins à l'échelle internationale? Monsieur, à l'échelle internationale, il y a deux joueurs dans le niveau même de première pile. C'est deux joueurs d'Algérie. Il y a une les Timons, qui était conduit à Dakar, l'autre était conduit à Tétionis et le Kiali dans les années 1980. C'est deux joueurs qui ont toujours gardé jusqu'à présent, les cassettes, c'est eux qui ont gardé. Et pour jeunes, je dis à la qui a joué. Bon, les sociales, pour les balles en Haïti, on dit un PC. On a le cas de Benja qui vient là, on est capable de champion en Haïti, par exemple, des grands 7, mais il vient là, il va arriver bien. Je ne sais pas si c'est l'atmosphère là, ou si c'est habitué, pas habitué avec l'équipe qui a joué en face. Parce que le but, c'est de jouer avec l'équipe qui connaît le matin, midi, soir. On fait moins d'efforts pour battre, mais là, on va connaître, c'est des balles qui merci un peu, nous remercions Jean-Raymond. Merci, madame, merci.